Bonne nouvelle pour la bande de la diaspora éparpillée à travers le monde. Le côté d'un bon est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kenero Téléman Agence, pour tirer la bande de Kombongo. Dans ce cas-là, il y a application sans doeuvre au Ezali. Très facile. Au côté chargé à partir à téléphone, au côté la bande de Kombongo, au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement, bah, quoi qu'on récupère, bon, on a dit là, il y a MPSA, Orange Manila Bango, et yo, et si ka ozali, bon nouvelle, Miami Balé, Zali, que ceux qui ont téléchargé application Sandware, et qu'on tindi na code promo Buzz TV, on reçoit $10, le cola bénéfice, donc il n'y a pas mieux, télécharger, Mokona Lelo, Marambaro Télémanagent Cécile, il n'y a pas mieux que ça, tindam bon, la facilité, dès aujourd'hui, télécharger Sandware, on il y a téléphone, na yo, plus facile. Il n'y a pas mieux. Mbote mingi na bayemanso bozwi li bako na biso na tongo alelo boza na Kinshasa intérieur du pays boza bongo na Afrique Amérique mobimba Europe totombele bino boyi bolamu na pona Congo ya lelo jeudi 16 mai pona Congo ya lelo tokolobela deux thématiques comme d'habitude Goma les obsèques sans le chef de l'État tabi ke lobby babe kokunda ba victime ya bombardement na kaya ba déplacé à Goma kasi chef de l'État nazalaki le grand absent tokolobela na tongo ya lelo Tozape bongo na division au sein de l'Union sacrée, Tshisekedi complice. Voilà, wande ba thématique, ya tongo, ya lelo kasi. Tozoa quelques sujets d'actualité. Ils ont été inhumés hier, mercredi 15 mai. Ils reposent désormais au cimetière des victimes de l'agression rwandaise, Mémorial Génocoste, dans le territoire de Nyiragongo. Eux, ce sont les 35 déplacés du camp des Mugunga, tués après le bombardement de ce camp par les M23 et l'armée rwandaise. Un briefing presse a été animé par trois membres du gouvernement qui avaient pris part à cette inhumation, y compris le gouverneur militaire et le DG de Fonarev hier à Goma. Briefing au cours duquel plusieurs résolutions ont été prise, entre autres l'interdiction pour les Wazalendo de circuler dans la ville de Goma avec armes, mais aussi interdiction de vente des vêtements qui ressemblent à la tenue militaire pour ne pas créer la confusion dans la ville de Goma, souligne le gouverneur militaire du Nord Kivu. Assemblée nationale course au bureau définitif de la Chambre basse du Parlement. Toutes les candidatures non portées par le président de l'Union sacrée ont été rejetées. Les deux candidatures de l'opposition ont été maintenues et seront départagées par la plénière. Rendez-vous le 18 mai prochain, sauf imprévu. Cependant, aux aguets sur une possible révision de la Constitution, Jean-Claude Vemba a saisi le plus vite que possible la Cour constitutionnelle pour dissuader quiconque entreprendrait cette démarche dans une requête sur l'interprétation de la Constitution. Constitution introduite à la Cour, à haute cour, le président honoraire de l'Assemblée provinciale du Congo central a démontré noir sur blanc l'inopportunité de toucher à la loi fondamentale. Et puis, alors que son concert inédit à Goma suscitait de nombreuses réactions nerveuses depuis lundi dernier, l'artiste musicien Fally Ipupa a annoncé hier soir le report de ses concerts prévus dans les villes de Goma et Bukavu ce week-end pour des raisons évidentes. Voilà tout pour na quelques news. Yatongo alelo. Pour na Congo alelo to yambi bande komisa tout na bande to ko débattre ba sujet on a odaki ko énumérer. Toza bongo na ndeko Yves Bajoko o azali mutu ya ngambo ya opposition. Ndeko Yves Mbote. Mbote, merci pour l'invitation. Yves Bajoko na ngambo ya résistance parce que on ne s'oppose pas dans le régime Yamouyibi, on ne s'oppose pas dans le régime où écoute, il y a beaucoup de inégalités, on lui résiste et on est au Roussala. Maintenant, je vous dis, Yves, tu as dit que tu es Joël Kitenge, tu es le cadre à UDPS. Merci, madame, ma salutation et pas de Kokaï. Yves Bajoko également. Sauf que, alors, si je te traite, si tu me permets de faire ce petit biscuit, je me dis que, quand il y a un politicien congolais, il y a un problème. Ou soit, ce sont des drogués politiques, ou soit l'inconscience dans la politique
est commis autorisé. Comment on peut saisir la Cour constitutionnelle par une requête dans un vide? Puisque une requête doit porter un motif, une motivation, et vous allez vous attaquer à une cause, puisque forme et abarré au Cour constitutionnelle à Randaka et Yébane. Conformité, vérification à conformité, contentieux électoral, ou en matière pénale, Premier ministre ou le Président de la République. Il saisit cette requête quand le Président de la République a dit on va mettre en place une commission pour réfléchir. Une requête contre la réflexion. La requête là pouvait attaquer par exemple la loi référendaire ou encore les projets de loi constitutionnelle, les projets qui visent à modifier ou à changer la constitution. Il n'y a ni projet de loi, il n'y a ni la loi référendaire et on écrit une requête. Et on peut dire, non, j'ai étudié dans telle université. C'est la honte de la scientificité que les politiques veulent. Et je suis sûr que Jean-Claude Mbowimba, le niveau dont il se drogue politiquement, dépasse maintenant l'essai naturel et normal. Comment on peut écrire? Moi, je me dis, on peut ne pas être juriste. Comment on peut écrire à la Cour sur un vide? Et la Cour doit traiter quelle matière? C'est lui qui allègue les faits, qui a la charge de les prouver. Vous soumettez à la Cour quelle matière? Il faut qu'il y ait un projet de loi tendant à viser la Constitution. Vous pouvez saisir la Cour pour attaquer ces projets. Il faut qu'il y ait... Mais il n'y a rien. Les idées, et vous saisissez la Cour pour idées. Ce n'est pas... Je ne sais pas il est de quelle formation. Le droit, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est avec beaucoup de précision. C'est une science, c'est la seule faculté au majuscule que je connais. La faculté des droits. Le droit. Matondi. Pas des choses comme on le dit. Matondi. Pitié pour Jean-Claude Mbowimba. Ndeko, Joël Kitenge, tout à fait bon, on a Ndeko Henri Tshimbalanga. Ndeko Henri Mbote. Merci pour l'invitation. La CPLP, le coup, la Essali Mikolo Bélé. Notre côté, on a Ndeko Mibale, notamment Yves Badjoko et Maître Joël. La PC Mbote et Bélé. C'est PDP par rapport à la thématique à l'élo. On a biscuité, on a préféré que on lance sur déjà dans la thématique. On a très très capital pour un niveau au mot cannabis sali. Pour toi, qu'on subir un embrouillé mini de la part des acteurs politiques tous ensemble, juristes, politologues, économistes, comportement là-bas où il a dit ça a été. Basal au la battant à classe. Et moi, on a senti que au Tindikabiso, les gens bangou pour te dire que la télévision est à Kangonga. Très bien. Tout le monde a un dinga pour partager ma Kamboana. Très bien, Ndeko Henri. Alors, lobby, bah, victime, il y a les bombardements, il y a camp des déplacés, bah, Kunda Maki, le ministre Bakenda Kimisatu Kasi, le chef de l'État a brillé de son absence. Comment est-ce qu'on interprète qui absence dans les lobby? Les Kamboana. Nazungu ni nani maloba ya ministre Patrick Muyaya, wazali molobeli ya tout porte-parole ya gouvernement, aloba ki ete cérémonie ona il faut épaisser l'occasion za la lokola elekana ndenge akola kisa ke on est tous unis donc peuple congolais aza uni face ya agression. Or na maloba wana présence ya tata Mokonzi. C'est autour de l'unique personne noyo yenda za lokwa symbole ya cohésion nationale yenda ko ya ko porter mawawana et que ba congolais nyonso va retrouver autour ya président de la République lokola ye akata ikutu séjour na ye en France à cause ya makambwana donc ezala ki na motuya que akoma pour que population congolais de façon générale mais singulièrement baye au bazar pour vivre directement pour surtout vivre en mon amoussikat mais baye bas sur place c'était une occasion pour naïe à koma wana na circonstance wana enge réconforté bango et que on gomona même ba congolais de partout à cette occasion là banga balandaye pour na ko manifester bon moko ko talisa baye bazar ba victime directe. Il y a agression na que tous en abino. Ils allient kaka géographie mutu etiki baro yona Kinshasa baro na boué tout en mususu pour une raison ou pour une autre. Donc pour nanga na kanisiete ya la ki penza malamute absence na yona. Oyebi que c'est ça. Ils arrivent na ba moment moko oyo essaient à exploiter contenu.
signification d'abord ya circonstance wana bato ba koufi ezo zongi sa sou batu na oya déclara ki que à la moindre escarmouche alors ce qui peut-être va t'inquiéter mais il falata ko la ki sa proximité na yo na peuple na yo parce que za président eza pona makoki na yo mon côté au tambola ki obeti campagne partout. Mais bah Congolais bah pécio sous chance deuxième chance pour la raison évidente c'est qu'au temps où bah koeli li kama na ebele au bazawana au monanité or que temps où a écourta qui séjourné en France c'est ça. On était sûr que à Okoma alors ndenga comité pour nanga eza malamu te esengeli asa la locution moboye pour na rotali sa que peut-être on aurait empêché d'une raison ou d'une autre. Très bien. Ndeko Henri, Ndeko Yves Badjoko, est-ce que absence y a tata makonde ko lokuna na goma est-ce que eza ko signifier que zaki non événement? Merci, mais liboso na ngina lo banon il faut te sauver de cette danger. Moko na biso zoki na mabe. Moko ezokufa. Et le danger aujourd'hui c'est Félix Tshisekedi. D'avoir incarné danger. Hier, c'était Joseph Kabila qui a continué de vivre par l'entremise de Félix Tshisekedi. N'est-ce pas si à moi. N'est toujours continué qu'au vivre les affres de la guerre. N'est toujours continué qu'au vivre pas sinon que tout le monde en déconnant rien que tout cas qu'en réalité. Nous vivons dans des conditions difficiles. Nous vivons dans des conditions d'insalubrité. Il y a que l'obaté salité de Kinakisasa. Mais pendant ces temps, il y a un monsieur, général de son état, John Tshibang, à qui une église, il y a Moïse Mbille, a soumis 6 000 billets. Il y a concert, il y a Moïse Mbille. Comment un général, j'espère que Maître Joel qui était groupé sans y réponse, qui touche maximum 500 dollars, alors que ça là-dedans, il y a 10 000 dollars. Et le plus grave, c'est que les pasteurs de nos églises, Bazo Zouabadon Wana, pas éviter Mbongwane Utiwapi, origine douteuse, mais bon, Bassel Nini, Bazo Yango. Et de manière ostentatoire, pendant que le général, il faut la Kuna, na front, à Koubundissa, tant qu'on paie sa maïde. Bitumba et si là il y a ça on a dit bon c'est un spectacle donc j'appelle la bande qu'on a vu sur Christ ou chrétien nous les chrétiens il faut que nous ressaisissions et j'invite de qu'on a vu sur Moïse Mbille à Boya don à 6 000 dollars à Zongi Sayango tant qu'à ça la moté chaque fois que je passerai à la télé n'a qu'on rappelé que ce n'est pas un pasteur parce qu'en plus qu'on dit ma bille ou à Boété il a dit Sony. Par contre, il y a des gens qui sont dans l'église, qui sont dans le Pona, dans le Ngomba, il y a le Christ, pour nous dire qu'il y a des gens. Trop, c'est trop. Et j'interpelle tous les pasteurs, qui sont dans le Félix Tshisekedi, qui sont dans le Mouyibi, qui continuent à soutenir alors que le pays est désarticulé, le pays est cassé. Dès qu'on a rien, le but que Félix Tshisekedi a cataclysé ses journées. Non, a cataclysé ses journées. Il avait continué son séjour. Les informations, tout ça, nous indiqueraient. Car les cas qui n'ont pas fait mon koana avant qu'on ait quitté ça. C'est ça. Il était allé pourquoi? Quelles sont les retombées à visite? Ou à de Félix Tshisekedi n'a tourné naïe? Y'a poto. Les alités. Et à l'obic à Kati, poison à Kinshasa. Il est rentré à Kinshasa, à lui a été le remorté. Silence radio. Afin d'ité, 30 minutes après, Yohana à Brazzaville. Et on nous indiquerait que Yomtasa a quitté Dinewana en l'honneur et à maman et à Dédé Sassongis. On marche sur les mains. Je suis quitté Nemboke Koufi. Tout le monde est sur la Tinaté. Et le pire, c'est que Moutou a sali les fêtes à Fingillé. A éviter aux itinérants. Donc, on fait que c'est que j'ai même mon essengo. A éviter à comprendre un message ni va transmettre. Pas vu aux habits tambola tambola. Français n'est pas tout bas au commun en gros bien. Aux habits tambola tambola. Ma camoza est pas naïona qui ça. Badba au koufanagoma. Badba au liate. Badba au lela. Gouvernement, si moi en gros fandité. Yuri kober au tambola. Que ça va dîner pendant que les gens pleurent. Yuri aux supposément garant la nation. Tata et Kolo, banano bakolela, bakundi bamote bana manini, yoke kuna kolia, ko sepela, na Denis Sassou Nguesso. Oyomboka solo, oyomboka tina. Mais c'est normal. Azan a redébabilité à peuple te. Kadiman to sale makamona nyo sopo ya kuma et sika azali. Ya kokipe bino pona nini. A kokipe bino na tina nini. Il n'a pas la. Il n'a pas. Azan a besoin na bino te. Nalo banango toujours. Makamo le kana est wana. Ndeko. Félix Tshisekedi, Joseph Kabila, Yoweri Museveni, Paul Kagame, Bayebi Makambozo de Caravana. Et pour le cas de Ndeko Félix Tshisekedi, soit c'est de l'incompétence, soit c'est de la complicité. Et là, comme on sort de l'égalité, et ça, c'est un peu comme ça. 6 ans, il y a un mot, il tombe aussi la tête. Au Kabila, ça qui 18 ans, il tombe aussi la tête. 6 ans, il tombe aussi la tête. Pour Nanini, pourquoi? Pour Nanini, il ne faut pas continuer à faire passer.
La République ne devrait pas être là pour enterrer des morts. La République devrait être là pour protéger les civils. En plus, quand elle a déplacé, Bakoufa n'a pas poissaté. De la vie humaine sacrifiée pour rien. À l'hôtel de quoi? À l'hôtel du pouvoir pour le pouvoir. Il y a 19 généraux. Kuna, Nagoma. 19 généraux dans le Nord Kivu. C'est pour faire quoi? Qu'est-ce qu'ils font de concret, les 19 généraux? Bombe longue et yé koui. Bisous de Kansakotofan d'Arabiso. Awanambo Kanabiso. Mouze. Dépôt et Ziki Kuna na Brazzaville. Faut na bamote et Ziki Akozika. Mais ça, c'est quoi, Libiso? Mouze n'a pas attendu. Maramoko, Anyate Libango. Pour nous rebaquer, non, il ne faut pas baquer. Oh, Libiso, Balabia, Barbaï Rwandais, Babouaki bombe. N'a qu'à état de siège. Et qu'un tina qu'à un déplacé. Est-ce qu'on croit pas si wana? Déjà, au Kiminda Kunayo. Au Kimi Sika Ozalaka. Au Tiki Milo Kono Nyoso. Ozani n'a pas si. Aucun n'a qu'à déplacer. L'État qui pakayote. Ceux qui Nations Unies, mais au Tikala Kokoufa Yomoko. Bon, mais il a dit au Tiwana et Bomio. Nego Félix, c'est ce qu'il dit pendant ce temps-là à Zawapi. En villégiature au Congo Brazzaville. Pour manger avec Neko Denis Sassou Nguesso. Et on doit rester là, on doit applaudir. Dès qu'on a quitté, il est temps de se ressaisir. Mboka et Tamboula Kapoïté. Mboka et Okende Nakokoufa. Tokola Mukalobi. Est-ce que ce que Bande Konabiso? Ils sont exaspérés. Ils sont exaspérés. Awa, Kalimasala qui simula la élection. Kuna Kagame a pu organiser référendum de détermination à Bukuta. Pendant que le baké Bande Konabiso, l'invite de Félix Tshisekedi a occupé Bamote, a continué à la merci, Bamoba qui n'a pas comme pays autonome. C'est ça l'objectif. Bale misa bende kuna biso mitu. Bale mbaba baye biso batwa kishasa. Kuna obe fête. Kuna obe ba voyage. 5 mois. 21 Matondi. Voyages déjà. Pour quel résultat? Matondi. Zéro. Ndeko. Yves Ndeko. Joël Kitenge. Comment t'aurais-tu interprété l'absence du chef de l'État lobby? Nagoma. Bon. En tout cas, je crois que. À temps de nyoso. Nayoki wana. Pour ne pas aborder le deuxième sujet, mais je vais le dire de ma manière. Je sens que implicitement, tout le monde croit que cette constitution ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait un homme à tout faire, c'est le chef de l'État. Qu'on va confier tout le pouvoir, celui qui enterre, celui le corbillard, celui le taximène, celui le bis. Celui le pousse-poussaire, celui le bourgmestre, celui le gouverneur, le ministre, le porte-parole, c'est le chef de l'État, l'homme à tout faire. Être là, faire là, décider là, c'est le chef de l'État. Ça, c'est l'imaginaire congolais. Alors que la Constitution, la théorie, il y a Montesquieu, et donc, quand il y a un vocabulaire à pouvoir éteindre, il y a. Et en regardant la configuration cérémoniale, il y a lobby. Est-ce que le chef était valablement là? Vous avez parlé de sa présence physique ou le chef n'était pas là? Au fonctionnement, il y a un système bicéphalisme exécutif. Il y avait 3 membres du gouvernement central. Il y avait un gouverneur militaire qui fait l'office du gouverneur et qui représente valablement le chef de l'État. 3, nous sommes dans un contexte de guerre. Ceci étant, ces bombes ont tué pas dans l'arrière-province, mais c'est dans la ville de Goma. Je crois en Dieu. En Dieu, on frappera les bergers, les troupeaux seront dispersés. Il y a des contextes sécuritaires qu'il ne faut pas se voiler la face. Que Goma est un site de guerre et de combat. Les bombes ont tué ces acquis, Tobanek Okunabangolobi. Ça veut dire qu'une bombe peut venir là où est le chef de l'État. Une bombe peut frapper sa délégation aussi. Nous sommes dans l'hypothèse. Alors, pour qu'un chef de l'État se déplace, il y a ce que nous appelons la volonté et la lecture du service de sécurité, si et seulement si ces déplacements coûtaient l'État. Tout le monde mourra un jour. Et quand un chef de l'État comme celui que nous disons, Félix Tshisekedi, tombe, c'est vrai, ça peut être humain, le corps à 35 ans. Mais ce n'est pas la même chose. Il représente l'État, il regarde. Donc sa mort, c'est comme si on tue l'État au regard de la Constitution. Yende Mutumei Oyo, la Mibeko bien Congo, va commissaire Yemo comme institution. Yé, président de la République comme institution. Va bomi donc, va coïncer institution. Et en un mot, on peut même parler d'un coup d'État qui a concouru même à sa mort ou à son assassinat, ce qui fut le cas à Moussa Laurent Désiré Kabila.
Est-ce que toutes ces questions sécuritaires-là, vous les avez intégrées? Le connaissant Bissomoko, naïf, Nandeko, Timbalanga, nous savons que c'est un président qui a un sens de l'humanisme le plus élevé. Il aime l'autre. Il aime être naturel et autre au contact de l'autre, ça ne lui a jamais mis mal à l'aise. Il y a des contextes qui, du point de vue à ma secret d'État qui ne peut pas venir pour venir s'expliquer pourquoi et comment il n'a pas pu être là. Mais le gouvernement de la République était là. Nous devons comprendre que le gouvernement est un corps. Chacun remplit à ce qui concerne sa responsabilité. Ministre des droits humains, Yanania. Affaires sociales. Affaires sociales, mm-hmm. qui était la porte-parole du gouvernement, mm-hmm. y compris beaucoup d'autres délégués, les députés de la ville de Goma, et ainsi de suite. Un certain nombre d'entre eux, ils sont partis. Et l'enterrement a eu lieu dans la dignité. Et vous devez le savoir que le président de la République, je le dis, sous contrôle de ceux qui nous suivent, ceux qui ont l'information, dans le bel appétit peuple était. Le président était déterminé à partir. Après réunion du Conseil de sécurité et les éléments sur terrain, il y a eu en dernière minute un changement pour des raisons sécuritaires. Puisqu'il y avait un plan d'affaisser son avion sur l'aéroport de Goma. Par des missiles qui partiraient de Rubavu. Dans ces conditions, ça va tout remettre, tout chambarder. Donc, il y a d'autres éléments qui constituent une importance. Dans le contexte, c'est aux États-Unis, pour que le président de la République reçoive ou bien coûte à peu importe, il n'y a pas la guerre, c'est la CIA et les services de sécurité qui gardent le président, qui déterminent où il va parler, quand il va parler, quand il faut sortir. Au point que, dans le Bango, ceux qui gardent le rapprochement de Babengi, trois appels. Le président ne décroche pas, il casse même la porte de sa chambre. Il s'entend. Tabakoukouté, Namoua, Sina, État, que je ne sais pas dire ici, ils entrent puisque c'est la règle. C'est eux qui décident où le président va, où il va le faire. Il ne peut pas ne pas décrocher son appel deux fois. Le service de sécurité entre là où il est, en douche ou en toilette, ils entrent. Et quand ils trouvent Kazamumba, mes respects, c'est dedans, puisque tu n'as pas décroché, c'est mon travail. Très bien. La sécurité prime. À ce moment, Moussousou, on a Naoki, Vivazako Divage. Il faut quand même tout à la respect à vérité. Je regarde la caméra. Peut-être que ça fait longtemps que mon frère s'est déplacé, ou peut-être si Dénagoma n'a pas d'assises, il peut vérifier. Il n'y a pas 18 généraux dans le Nord Kivu. Il n'y a pas 18 généraux dans le Nord Kivu. Je peux lui donner le nom de chacun. Le plus haut gradé de tous ceux qui sont dans le Nord Kivu, c'est le lieutenant général Assine Dafal. À Paris, il y a encore trois autres généraux. Excepté celui qui est général militaire, il y a la fonction, il y a un gouverneur, mais il y a le tout des généraux qui sont. Et il y a un axe différent. Il y a une opération sous cola. Il y a un axe et une opération de tout ce qui est la guerre. C'est le seul général là qui coordonne général Assine Dafal. Du tout, ils ont trois. Ils sont trois. Avant Bakoma 3, Bazalaka 8, Tang Balongoli Bashiko, Bazoni Salang Charne Bagita, parce que l'on a 10 cités. Mais le problème, ce n'est pas le nombre. Il ne faut pas exagérer ou dire ce qui n'existe pas. Tshisekedi ne parle le danger de la République. Les dangers de la République, ce sont ceux qui pensent. Proposer autre chose dans la manière dont la République est censée fonctionner. En même temps, ils n'ont rien à proposer, c'est du brouhaha, déjà Jean-Claude Wemba, déjà ce que vous avez écouté ici. Très bien. Faire une requête après si ma pipe à Diamba, ou terrible que ça la requête n'a pipe à Diamba. Très bien, Ndeko Joël. Alors, Ndeko Henri, le mi pratique, il y a que Makila, il y a ma victime, ils ont crié vengeance. Alors, ils ont crié vengeance envers le Rwanda ou bien envers Bakondi Nabiso. Merci beaucoup. Je pense que nous avons un problème de Joël Alobi. Je pense que nous avons un problème de la constitution. Parce que la population, quelle que soit la phraseologie, la français, la constitution, non. Ça n'en vaudrait pas la peine parce que nous avons sollicité suffrage, c'est d'abord l'individu
qui, de par son élection, il devient en tant qu'institution, lui l'individu. Parce que moi, dans ma circonstance, mon sorotin d'abattre, va représenter. Mais battre, dans un moment où yo, baza, pour faciliter, baza en harmonie dans la population. Suite à basan toi, pour yoka. Le gouvernement, les soi-disant warriors, battre, bah, lingi bangote, pour battre qui trace mon côté. Tolémi basan ou ya mouibi. Alors, battre, dans la circonstance, y a matanga, où yo, République, ils a frappé. Évidemment, Joël a évoqué les paramètres sécuritaires, ce qui n'a pas été dit. Et je pense que c'est toujours une façon de soigner mon absence. Mais qui, dès le départ, ils allaient être souhaitables. Oui, mais dans Brazzaville, il n'y a pas de Yakinde. Il y a dit quoi border déjà en Angleterre, mais je le dis pour nous relever côté Moussous. Est-ce que Kokende est à Brazzaville, pour ne pas dire que Bangawa a fissé l'avion à un aéroport à Goma? Non, pas nécessairement. Ou vous pensez que ceux qui bazo planifient un coup d'État contre lui, ceux qui ont bayango même 2 heures avant ou 3 jours, une semaine avant. Mais non, c'est pas comme ça. Il y a l'air de s'auto imaginer qu'un coup d'État. Non, non, non. Na Brazzaville, kuna na Congo tangu yake kuna. Et si kao Sassoung est soit tekeli ba Rwanda ma be, les places où on a ba mona kanenga avion tous les autres décoller, ils ont atterri dans l'aéroport Andji. Alors qu'est-ce qui va empêcher bango ba ni kapena avion na? Vous voyez, donc je pense qu'à un certain moment, il faut que le peuple congolais, surtout Baye, Bazar Okola, n'a qu'en direct, il y a président de la République, va aider par moment pour lui dire des choses réelles que Babandako, Bimisaka, Mahamou Boué, Otoboyaka, n'a l'air et à Mobutu. C'est-à-dire, Kobeta Maboko, même là où ça ne va pas. Oui. Je reviens à moi, Simon. Il y a beaucoup Félix Tshisekedi. Tant qu'on a, je crois, Ituri, bah élève basaï qu'on manifestait. Ah, on a Kinshasa, bah faire gobeyer que nous avons manipulation bah politicien, oyo, y a est qu'on a. Mais tant qu'il y a mon quoi tei devant un écolier au squat bandi que talisaï ma cambo. C'est là que je trouve que Félix a occupé hauteur. Il n'a pas hésité à demander pardon. Ça voudrait dire quoi? On ne peut pas dire que ya solo, mais il faut flatter. Il est dans une bulle. Au moins, il y a danger. Il y a beaucoup de temps. Il ne faut pas tout le temps dire que nous entendons ce coup d'État. Qu'est-ce qui vous dit que ce qui est conseillé? Un coup d'État, c'est un cas populaire. Chaque jour, il y a un coup d'État. Non. Il faut que ça soit créé. Quand Malobi na est itinérant, évidemment, Batemissus va dire neti, Batomboko a humilié, non mais, Isa remarque mon commune ne point avant sa sou, na Tanzanie, tant qu'on est dans la Tanzanie, le président Tanzanie, ya sa sou to capter pour utiliser terme mot Malobi na Kinshasa est itinérant, mais le président Tanzanien ya l'obagi na Swahili, voilà, il bénit na Kinshasa le Swahili. Malobi na expliqué na que t'as là outil côté boy, c'est quoi oui à on a Tanzanie. Alors, bien, on a passé tant à yomou laï na déplacement. Réédition, on a soit. C'est différent, quoi, on a osa soit. Donc, reproche, wana, il fallait plutôt, bakota kanamouzino, na mopo na gotali saye na baye, oya yo kakamingo, na bango, que non, 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 on a perdu estime devant, bah, pas déjà deux, ça signifie plusieurs. Mais est-ce que yemou père aurait qu'on se rende compte de la montée? Bon, Nous, je pense qu'il faut se rendre compte. Parce que le niveau, on a se rendre compte, c'est ce qui est comme on a direct, même pas que bah, on a privé. Et ça, la Tanzanie, ça a été vraiment beau et en public. Président de Tamazo Loba, à l'objet de l'Okoan. Donc, on a un canissier que sa présence, et là qui et l'Okoan, il y a un motouya pour consolider cohésion nationale ko la kisake nazana pasi ke ko kende na Brazzaville kuna et sika il faut le dire tokolo ba ke sasunge so tango approché Rwanda kuna donc a trouvé dans plus d'intérêt envers Kagame que Félix donc sasunge so n'était pas du tout important que circonstance soit akoka ko ya même pour la journée moko wana ngé réconforter population tout ya est. Il n'y a pas longtemps, à Outaï Sukolobaka, na poto avant Zonga, que, tu n'as qu'à, na okende Ituri. Mais pourquoi alors,
avant d'annoncer Bilokoan, c'est là qu'il fallait passer à un travail avant que le président a déclaré. Pamba, tu as continué à faire ça, tu as maloba. Tu as continué à publier l'agenda. Après, tu as fait sa justification que non, des raisons sécuritaires. Non, non, c'est mieux à l'avant. Botali communication nae obino ko babuite parce que to permettre poyo kende est il faut tout se rassurer boy c'est un travail normal fazo Joel qui t'en a lobby oui donc les autres travail il faut ça les maka avant que yé abimisa malobana sinon té ils ont abimisa kaka pour la zone distraire population très bien Ndeko Henri alors Ndeko Yves qu'on citait ouvertement Rwanda agresseur na biso même France a retiré ça lango mais et ça n'a pas un résultat vraiment probanté. Qu'est-ce qui nous échappe jusque-là? Mais personne ne vous respecte. Personne ne respecte. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. C'est ça le problème. Dès qu'on a un peu de temps, vous avez deux fois dans mon connaît. Alors, vous avez un peu de temps. Je suis prêt à mourir. Si quoi au attentat, comment bangi ça? Si quoi au coup d'état, comment bangi ça? Non. Il y a un qui ça y est bien. Yo robenga et tata école. Bana nae kuna na gomba bakufi. Faza na passe. Atiki bana boye. Neti bana bitike. Baza na rokote. Ata kutu babengi si yaya. Mais présence ya tata na tina. Mais moi je vous dis tout le problème. Il n'est pas concerné na bilokwana. Ata na ba priorité na mususu. Bino ba tsamboya no pamba. Sans aucun dépunaté de gamouté, Congo central, Makamouzali. Awa, dans l'ancien bandou du grand bandou, Makamouzali. Mais comment on a le 21 voyage, Namboka Papaya, Namboka Nomoko, Atesi Kamorono Kinate. Comme si tout allait bien, Namboka Nao. Kuna les bandes au Kondego Salaka, Nini, Ozo Kendeko Lukaka, Nini Ti, Batuka Komo Bimisama Lobama B, Ponayo. À un moment donné, il faut, Ozo Manakati. Dikamouté Kuna, problème à Danta. Fandata Naki Sasa. Tinder à ta bande de Kolabiso, un mot. Mais quand on a la TV, décrété à ta jour mon corps, Tommy Balé à deuil. À ta bande de Kolabiso, mais tout ça, moi, même, moi, compassion, on a la bande de Kolabiso. Non, monsieur Félix, tu sais qu'il est préoccupé par autre chose. Le problème du Congo est allié. D'abord, parce qu'on n'a pas moyen de résoudre un mot. Et puis, il est préoccupé par autre chose. Est allié. Chaque jour, on va se répéter, on va continuer de dire, et Rosaka, un nègre mon corps. Félix, tu sais qu'il est mort, lui, à Kofan Nakuna. A refaire dans la partie est dans le Abisso. A redéplacer ta major. A reconnaître qu'on a conseillé dans le Kofanda Kuna. Il ne savait pas que c'était qu'ils ont la guerre. Dans ma campagne, il y a un Beni, il y a un Boutembo, il y a un Goma, il y a partout qu'on a. Il n'y avait pas la situation de guerre de Kolan Ekite. C'était toujours la situation de guerre. Mais pour la campagne, Bakéi. Pour la colère, pour compatir, on a bandé qu'on a vu ça et comme Kobama. Non. Non, c'est une question de volonté. Non, ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de responsabilité. Maman a été sur la banane, de qui est la banane, à qui par rapport à l'année pour l'année. Pas non. C'est une question de responsabilité parce qu'il a de la responsabilité sur ses enfants. Sauf qu'on sait la moto, c'est irresponsable. Il n'y a pas deux, trois mots différents. C'est une question de responsabilité. Il faut savoir pour l'année au lingue loco. Il faut savoir que Zaina Makamou y a bien. Et ça peut être comme ma bête, mais il y a. Et quand on a peine à la crise, on a peut-être y a comme un peu de maillot. Et quand on a. Mais tant que vous avez une fonction, tant que vous avez une mission, Wanda, il faut être guidé par cet objectif. Il faut être guidé par cette mission, cette volonté. Il y a qu'on kende, il y a qu'on luka, qu'on trouve solution. Ça ne sert plus à rien. Mais c'est que Rolobango. Rwanda a agressé, mais le peuple peut le dire. Donc, Félix, c'est que Rolobango. Rolobango, pourquoi? Et encore que dernièrement, tout le bac à Okutana Kagame, comme je l'avais prédit, quand Okutana Kagame, Pona Aye Bisaike, Adani Moutamoboulou, Adani agresseur. Est-ce que les gens ont besoin d'entendre ça? Tout le monde sait que Kagame Yowana Moutazo Salabiso Moboulou. Que Kagame Yowana. Mais quelles sont les mesures, les dispositions qu'on prenne? Dès qu'on a quitté le bureau à 5 généraux. Mais 5 généraux pour conduire une guerre. 5. Et aussi à Madame Kony. Baouma était seul. À 6e M23. Seul Kuna, 6e M23, ils n'étaient pas à 2, ils n'étaient pas à 3. Bah, tu es gouverneur militaire. C'est effectivement pour ça. Pour Yemoko, en tant que militaire, a coordonné l'opération. Bah, aïe, bah, comme ça, Yekuna, gouverneur, on a commencé à inaugurer le rond-point. Donc, tous, ils sont préoccupés par autre chose. Ah, John Tibango, on va racimer les billets pour un concert. Il y a Moïse Mbille. Vous voyez que tout le monde est préoccupé par autre chose parce que Négofélix, c'est qu'il y a un petit leader-té. Après cette vision, après cette ambolité, c'est ça le problème, la vraie cause, il y a l'Afrique, il y a ces autres canaux.
Mais comme je l'ai dit, en un mot comme en mille, maman, il faut avoir de... Vous savez, parlons mal, parlons bien des barbares en français. Solo là, n'a dignité, il y a un mot comme Moussousou. Solo là, n'a pas y a Moussousou. Mais pourquoi il y a un mot qui n'est qu'à Rwanda? Parce que Kuna Bazana interlocuteur. Parlons bien, parlons mal. Na 2002, Kagame on a zo bon de Konabiso. A lui qui est au Rosal en 2000, dans 20 ans, Rwanda Rokoma, qui est au Koma un hub informatique. Un hub, c'est-à-dire place informatique et technologie au Salman. En 2022, ça a été fait. De la dignité. Et ça a été le lobby du Kambou, le lobby du Kambou Sous, le lobby du Kambou Sous. Pour les Rwandais, pour Kagame, ça doit être un héros. Tant qu'on fait pour célébrer. Parce que lui, il se bat. Quitte à tuer des Congolais pour l'intérêt. Il n'y a pas besoin. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on ne fait rien. Nous, on s'est plaint. Donc, en fait, ce que c'est banal, il s'est plaint. Il promet. Il s'est plaint. Il promet. Oh non, on est venu ici pour que France ait fait ça. Ils ont des sanctions contre le Rwanda. Oh, mais en fait, c'est que Dieu commet des sanctions sur le Rwanda. Zéro sanction contre le Rwanda. Tile est leur ambassade n'a pas fonctionné à Rwanda. Tile est leur ambassade à Rwanda, ils ont fonctionné à RDC. Il faut savoir ce qu'on veut. C'est quand on va battre les bouilles. On va tarifer Rwanda. On va dire, ouais, le Rwanda va soutenir dans ma boucle. Mais pourquoi on n'arrive pas à tirer ce soutien à côté d'Abisso? Pourquoi on n'arrive pas à tirer le soutien à la Pologne? Pourquoi on n'arrive pas à tirer le soutien aux États-Unis? Pourquoi les États-Unis sont partenaires d'un baron privilégié? Pourquoi on n'arrive pas à les tirer à côté d'Abisso pour dire à un moment donné, stop, si on est faible, c'est normal, tu crois que nous avons des coups. Mais pourquoi le Rwanda arrive à tirer le soutien? Nous, on est incapables de tirer le soutien. Pourquoi? Parce que. Dans le schéma international, il faut que la RDC ait quelqu'un de faible à sa tête. Comme ça, vous voyez, c'est Salaboui Hassan. Salaboui Hassan. Et puis, nous allons voir qui n'est pas. Toi, on a besoin d'une réalité. Pourquoi? Je crois que Kitenge, il est bien placé pour le savoir. Parce que ma camionneuse, je suis en train de se faire. Kagame à l'Oba Kiango, en deux ans simplement des relations, ma camionneuse, c'est ce qu'il dit. Non, je suis en train de me faire. Donc, il faut savoir quelle est la position aux autres. Comment tu te positionnes face à l'adversité? Quelle est l'image de Zotinda Yambo Kanabiso? Tant que Batbar Koufa, il faut faire ça non détour, ce qu'il a fait. Tant que Batbar Koufa, au sali 10 jours, 15 jours, sans que Mounana, sans que Batbar Eba, et si qu'on y a les indiscrétions indiqueraient Kazaki Zogina Bahamas, que ça la ni, tu y très bien. Est-ce que ça, Batbar Koufa, au sérieux? Les gens ne nous prennent pas au sérieux, c'est-à-dire que notre parole n'est plus audible. Très il faut bien. Que nous redonnions la force à notre parole par notre manière d'être. Par notre manière de faire. Les autres, comme ça, Tata, Alexara, Ernénion, surtout, n'a mis la main à barre. Alexima, on va dire, ah, bah, non, pas comme mon boulot. Mais pas comme mon boulot parce qu'ils ont la barre. Aux hommes et la massara, bah, bah, tikali, libre, bah, ça, ma kamouné, sobaligi, personne ne va écouter ce que tu dis. On va te dire qu'Ozali, Tata, Moko, irresponsable. Très bien, Deko Yves. Alors, ton komi, Kopoussa, Nasuka, il y a première thématique. Dernière question, Deko Joël. Quand est-ce qu'on pourrait avoir des actions concrètes pour la guerre dans l'Est du pays? Vous parlez des actions concrètes, bon, ça dépend, c'est que vous ne comprenez pas les actions concrètes par rapport à, aux Ogobenga guerre. Mais je vais d'abord vider quand même une certaine sortie à toilettage, puisqu'on sent que Essidé Yves Badjoko, c'est le porte-parole du Kagame, Awana Congo baisse sur ce plateau, il ne fait que relayer ce que Kagame a dit, peut-être à matin, peut-être à Bamou, à téléphone, on ne sait jamais. Kagame a dit, Kagame a... Il connaît bien le projet du Rwanda, nous on ne connaît pas ça. Là on le comprend, il y en a plein. Le cardinal, le cardinal qui véhicule le message naïe à travers le messe, tout le cardinal qui véhicule le message de Kagame. Lorsqu'il dit que Kagame à l'oubaki na bangwe na Martin Fayoulilère a dit qu'il a gagné, biloko atikala ko gagné et pas Félix Tshisekedi était en deux ans. Notamment ce qui n'a pas si gagné par son neveu, Joseph Kabila, qu'il avait placé pendant 18 ans ici. Écoutons un peu. Accord économique, commercial, Onyo Cesara qui gelé sous Félix Tshisekedi qui a été mis en gelage. Là, Yves Badjoko n'était pas peut-être au Congo, à Kinshasa. Là, ils étaient au Rwanda pour voir ce qu'ils discutaient avec Kagame. Lorsque sous Kabila, Rwanda Air n'atterrissait pas ici, il a obtenu ça chez Kagame, chez Félix Tshisekedi, et ses avions ont été interdits, il y a qu'aussi le volé par l'espace Namisope Kokitawa. Là, Yves Badjoko n'était pas encore dit rien. Non, l'opposition ne veut pas dire menteur. L'opposition ne veut pas dire, pas pour lui, je l'ai dit, l'opposition, pas pour Yves, l'aboutisme. Ça veut dire, même ce qui a été fait, on ne peut pas reconnaître puisqu'on est opposant. On a comme une irrationalité à combat d'opposition.
puisque les avions du Rwanda continuent à descendre à Kinshasa ou à Goma. Quand vous parlez des actions concrètes, cela veut dire que nos militaires ont quitté les fronts. Ils ont laissé. Je vous informe et j'insiste. Je suis sur ce plateau tout en précisant que Nazan a moi petit passé militaire. Ces combats, souvenez-vous de ce qu'il fait 2 ans maintenant. À 2 ans, l'armée rwandaise est en souffrance d'occuper la totalité des 3 territoires. Est-ce que c'est pour une façon à négliger la localité en disant qu'il y a 3 territoires? C'est pendant 1996, lors de l'arrivée de l'AFDEL, 2 semaines suffisaient pour que la même armée rwandaise appuyée par l'Ouganda, Bakamata déjà, Nord, Sud, Kivu, Maniema et la province orientale dans sa grandeur. À 2 semaines. Puis en 98, Tango, RCD et Botami, à 10 jours, ils ont pris Nord et Sud Kivu. En 2009, ils ont fait, à 6 jours, ils ont pris Nord et Sud Kivu par CNDP, Zile Boutebousi, Kundabatoire, Bosco, Taganda. En 2013, ils ont fait 18 jours, ils ont pris le Nord et le Sud Kivu. Aujourd'hui, ils ont fait 2 ans. Et la bataille est dans le 3 territoires. Est-ce qu'on peut négliger l'occupation de ces 3 territoires? Même pas. Mais néanmoins, la résistance des FARDC, soutenue également par nos compatriotes Ouazalendou, ont donné une autre donne que Kagame n'a jamais rencontrée dans sa conquête du Congo. Et ça, pourquoi vous pouvez banaliser ça? Pour trouver des actions concrètes. Concrètes, là, vous parlez, c'est ça que je dis. Concrètes par vous, vous attendez quoi par concrète? Concrète, c'est-à-dire le formalisme du genre, déclarer l'état de guerre, réunir les chambres, déclarer la guerre, c'est ce que vous appelez concrète. Ou concrète, c'est aussi à l'acheter les armes, les munitions, les drones et les blindés, puisque là, la semaine passée, les Turcs ont livré combien de véhicules, combien de blindés? 185 véhicules blindés. Ce n'est pas concrète. Pour un montant de 77 millions de dollars endettés, payés cash dans la caisse du trésor. Ce n'est pas concrète. La Chine a ajouté encore 4 nouveaux drones au Baïki Koubaki, c'est sous son armée Nabisso. Alors, dans ce contexte-là, ce n'est pas concret puisque Don Mogosa a coûté 45 millions de dollars. Et les 4 font combien? 90 multiplié par 2, ça fait 180 millions de dollars. C'est combien de pertes énormes dans la caisse du trésor? Ce n'est pas concret. Lorsqu'on continue à recruter au sein des FARDC, récemment, il y a 2 semaines, le camp Moura, donc centre de formation à Moura, a livré un autre lot. Il y a plus de 3800 militaires qui venaient de terminer dans son académie de battants spéciales formés par des Français. Les académiciens français et belges qui forment ces forces spéciales à Moura. Et 1800 d'entre eux sont descendus à Goma pour aller remplir les rangs des autres FARDC. Ça, ce n'est pas concret. Peut-être que ça n'a pas encore résolu de voir effectivement Barwande, Balungu, Mabéné, Nabisso et la vie redevient normale. Le concret, c'est aussi ce qui est en train d'être fait. Bon, on ne peut pas être d'accord pour le déplacement, pour dire non, les autres disent qu'ils voyagent beaucoup, ils ne voyagent pas, ou ils doivent rester là. S'il reste là, ça veut dire qu'il comprend la gestion du pays. S'il se déplace, c'est alors que c'est mauvais de se déplacer. Ben, je suis désolé, hein. Je suis désolé. S'il y avait une patrice qui aurait habitué par une gestion de 18 ans, de la phobie, on ne savait pas affronter l'extérieur. On n'avait pas un discours à donner et on s'est cramponné autour de ces moutons et de ces tilapias pour vendre là, pour ne pas partir ailleurs. Tshisekedi est en train de faire une diplomatie en arme. Guerre aux Okolekana Est, c'est vrai, on est face au Rwanda. Ces gens-là qu'ils vont rencontrer, ce sont les personnes qui combattent contre nous. Et quand il faudra discuter, certainement, et que vous allez à la porte, et que vous allez à la place publique, était pour mettre de tout ce qui doit être attendu par tout le monde. Ma déclaration protocolée, toi, que ça, la déclaration de presse, ce n'est pas le fond des discussions à huis clos, où ça ne manque entre États, on est tous ceux qui font la politique, on le sait. C'est cela la bataille et la question, comme ça se doit. Donc, pour ma part, je vous dis, la concrétisation d'ailleurs pour le Ouazalé, nous allons attendre qu'il y ait une décision. Il y a, à part vente, il y a tenue dans l'Est, les Ouazalènes auront leur propre tenue qui sera distincte, naba militaire, pour les différencier. Pourquoi les Ouazalènes? Contrairement à la cardinal et à Rwanda, M. Mbongo, c'est
les Ouazalendo font partie d'une coordination déjà légalisée, uniformisée, qui a un sens légal de la loi, puisque le président de la République, par ordonnance, a créé qui RAD, réserve à des de l'armée de la défense, qui est coordonnée par le coordonnateur général, le lieutenant général Padiri. Alors, tant que Bango ba VDP, ba réserviste, dans la réserviste, nous avons plusieurs. Bazalaka armée Balongwa, ceux qui sont dans l'armée qui peuvent solliciter une mobilisation volontaire, ou ceux qui viennent s'inscrire dans le cadre des réservistes en attendant de porter leur main forte dans l'armée. On a même défini les modalités à rentabilité, c'est-à-dire paiement, Bakoumanakozoa. Dans ce contexte, c'est une nouvelle. Et qui en a créé cette idée? C'était Moussa Laurent Désiré Kabila, en arrivant à créer FAP, Force d'autodéfense populaire, sous une autre forme, mais Zalakina, une structure formelle. Mm-hmm. Et c'est toutes ces structures mises en place qui donnent une nouvelle dimension à Etumbo Kolekana Est, que tous nous souhaitons que ça change. Très bien. S'il faut voir que la solution au Congo, ou le problème, comme Yves le déduit, le problème, c'est que la solution, c'est que c'est Fayou. On joue où? On joue à quel fait? Quand on est une solution, tente d'abord de faire vivre l'opposition. On vit dans un pays sans opposition. Ils ne sont même plus. Alors, fin, il y a première thématique. Deuxième thématique, Ndeko. Henri, divisé au sein de l'Union sacrée, est-ce que le président Tshisekedi est complice? Est-ce qu'on son silence est complice avec tout ce qui se passe dans la Union sacrée aujourd'hui? Ici que et l'Obama qui a d'abord hein, d'emblée que qui ne dit mot consent. Ici que Maître Joël Azar Moko est un spécialiste au Bayébi Tina Malobawana. L'Union sacrée division. Nakanisi que ça et l'Oko Moko ça qu'au favoriser bon déroulement et la situation est mbokaté. Pourquoi? Omoni tangu bato en tant que intellectuel bato baza pe na moi parcours politique basala ba se retrouver au sein d'une structure locale la Union sacrée pour exemple la liboso to mona eloko locale la Oanate na wana RDC to za la ki na mona l'era Kabila. Alors o eza ko leka na Union sacrée, ça ne résume pas du tout la démocratie. Il y a une discipline. Parce que la démocratie, n'est pas à mêler à l'indiscipline. L'Union sacrée, les lieux PCBIS sont images telles que il n'y a personne à Zako Kambabango. Mais pourquoi il y a ce qu'ils appellent, ils ont un moto bazo benga, l'autorité de référence. Alors, tant que Mobulu Union soit à Zako Lekana, Mboso, azo kendendenga lingi selon ba humeur na ye, selon ba intérêt na ye, koto omoni plus de 200 députés kaka ya majorité ba lobi biso tozo signer pétition contre Mboso a violé règlement d'ordre intérieur ya assemblée ye loko la déposer candidature na ye implicitement il faut a démissionner na poste na ye ya président à bureau d'âge, sinon ya conflit d'intérêt. Et je pense que scientifiquement Mboso doit céder. Bon, le rôle Mboso a cédé. Alors, il fallait que l'autorité de référence a rappelé à l'ordre que, non, mais mon cher ami, quand même, ils ont un bato baza va s'opposer, non, baza n'a raison par rapport à un règlement. Parce que tant qu'ils ont volé, ils ont violé le règlement d'ordre intérieur, lequel a été déclaré conforme à la Constitution par la Haute Cour. Ça voudrait dire quoi? Donc, on a prolongement et acte aux actes opposés, on a violé la Constitution de la République. Or, le président de la République, qui est de fait l'autorité morale et l'Union sacrée, il est le garant, il y a bon fonctionnement, il y a l'institution. Autrement dit, il a aussi la charge constitutionnelle et à quoi assurer donc harmonie dans le fonctionnement. Bon, le coup, il y a Vandi Kimia. Tout le monde a l'Union sacrée, il y a Kende, Batouna, il y a une discipline exacte. Et ils le font dans les médias. Arbitrage exacté. Alors, il consent à des ordres dans la banque qui ne sont pas kende ou comment? Point d'interrogation. Parce que tout le monde a deviné où il y a un été, mais surtout il y a un raisonnement qui est quand même rationnel. Donc, en cas de désordre, et vu son silence ou à réagir, il n'est pas besoin qu'à ça ait un discours. Tout le monde a qui, par exemple,
bati lera pe si kombo ya mwana na ye. Batu ba reagir. Oui. Azungi sima, alungoli mwana na ye. Ngo ika sanji. Le l'AFDC et tindie ke depose pe na poste ya premier vice-président. Après ka bango mwa moni ke no to kende mabe za désordre. Ngo ika sanji retire. Alobi ke mbolo ko la ka regroupement na ngelo ba gina pe sa na retire, a retire. Donc il y a eu quelqu'un qui s'est ressaisi na niveau wana. Oui. Alors dans l'ensemble la union sacrée tant que des eaux continuent. Donc c'est lui qui devrait ko tchape na stop na des eaux non c'est l'autorité de référence à l'union sacrée qui est qui Félix, reste silencieux malheureusement parce que oui sous une vidéo il y a deux éléments il y a André Mbata les deux éléments ils a moko ya makambuya ndinga lobaka que de ma vie de constitutionnaliste na tikala komona te ba institution gouvernement, bango tout basali plateforme avec comme autorité morale le président de la République. Aujourd'hui, c'est ça ce que nous vivons. Deuxième chose, le même Mbata, à Ozalanaka, il y a un comité à réflexion pour la constitution. Vidéo Neza, à Simba, dans les Rwanda, Simbi, constitution. À l'unikin, qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est la meilleure des constitutions. Mbata, mais à l'époque, on attend Babusha, Bazo, Bunda, il faut révision à la constitution. Et il disait ça. Les lois, si vous opinez que vous avez un var, ils ont un pain, ils ont un pain. Ils ont un motif. Donc, c'est pour dire, pour nous répondre à la question, je pense que le président de la République, en tant que l'autorité de référence, il y a l'Union sacrée, a la responsabilité de stopper le désordre. Très bien. Ndeko, Henri Ndeko, Yves, comment est-ce que vous avez expliqué le silence à mon conseil Colo? Merci. Autour de Konangaï, nous avons un mouké qui tenge population de Zéane. Population de Zéane, c'est le résultat de Konangaï. Population de Zéane a besoin d'explication. Ils ont récemment marqué dans la classe, ton besoin de Nandaku, il faut pas coûter Bilia. Soit il va coûter Bilia, tu peux m'expliquer. Mon moni, tu sais qu'il dit, ah, vous avez sauté, ah, vous avez 480 000 francs de Nandan enseignant, mon monsieur, si là qu'il est 5, pour n'en foutre qu'il n'a pas, si quoi, moi, je comprends de l'autre côté. Moi, je n'ai résultat. Nos frères de Goma, de Kishishi, de Kiwanja, des trois territoires, le Bikaka Gamazo, Kokakozoate, Balingi va résultat, Balingi va vivre en paix, Bakenebila. Ils ne vous demandent même pas vous pouvez savoir misala. Balingi Balingi Bakenebila, on a bon, on a tongo, baloni, on a simabé, on a bon, on a fandi, on a solo, on a mis moins l'eau qu'on mouke. On ne vous demande pas trop, kaki l'eau qu'on a mouke. Vous pouvez savoir mouke. Vous pouvez savoir mouke mawa. Vous pouvez savoir mouke passi. Et en plus de ça, vous otika, bango, na esika bazali. Dès qu'on a dit que nous avons fait des discussions à Binoa. Avant que Bazwa Bunagana, vous voyez ici, Bunagana risque d'être pris. Bino Boboyat. Bolobate, vous avez le Koutta, vous avez le Kamusala. Vous avez ce soir que Bissot a eu un projet à Rwanda. Effectivement, Bissot a eu un projet à Rwanda. Tu as eu un projet à Kagame. Tu as eu un projet à Museveni. Tu as eu un projet à Yabambo, Kaming, Zaï, Napemen, Nabissot. Tu as eu un projet à Kenya. C'est de prolonger Empire Imatutit. C'est ça le projet définitif. Bien sûr, il y a le côté minéré, Oyo ba occidentaux misusu, bazali ba kota la misu, mais le Kenya, le Rwanda, le Burundi, bango bazana projet na bango misusu l'expansion de l'empire Imatutu. Biso to yebi. C'est ça le problème pour bino boyebité. Si qu'on a un problème, comment vous allez l'adresser? Comment vous allez adresser un problème bino boyebité? Comment vous allez trouver des solutions na problème Oyo boyebité? C'est tout ça le problème. Dès qu'on aura vous pouvez recruter. Boki ko somba mindu ki na ndenge bolingi boki ko tsaba loi ndenge bolingi yo le bibadai 5 généraux di kamuté boko tsata 20 25 tant que le leadership est défaillant et le korobimaté le leadership de monsieur Félix Tshisekedi est défaillant. Est-ce qu'on ne peut pas être d'accord que c'est défaillant? Ça fait 6 ans que toutes les initiatives au bosu pour trouver des solutions à la pratique toutes ils ont échec tilelo rien n'a réussi. Boni boni l'armée n'a besoin de la caca haute, bah c'est l'attaque, bah les bah Wazalendo, bah défendre, bah FRDC, bah défendre. Nous on n'attaque pas, c'est notre pays. Il ne faut pas attendre que Rwanda ait occupé trois territoires de Konangaï. La moitié d'un kilomètre c'est suffisant pour révolter tout le monde. Pour dire que ce n'est pas normal. Pour dire que tout le monde est en train de se traquer, bah on est en train de se traquer, Rwanda de Konangaï. C'est ça le pays, c'est ça la gestion. C'est ça le vivre ensemble de Konanga et Kitenge. Ce qui te bosse à Niango, lobi lobi bande Konabiso paye à Goma, bande Konabiso à Kishisha Kiwanja. Bako bosse à Nabiso. Bako le babango, na bazaka na makam na bango. Bango na bakenda ka voyage na bango, basolo la makam na bango, et biso, et talibiso, et talibiso te. Le silence de chacun est une
Mais non, mais est-ce que le Rwanda n'a pas Wazalendo avant? Le Rwanda, c'est Wazalendo. Tellement c'est une cacophonie. Tellement que c'est bruyant. Tellement que comme il désordre. Rwanda n'a pas Wazalendo avant. De Konanga qui t'a si je me trompe. Alors, qui peut être Nani, de Konabiso, ministre, il y a issu. Il n'y a pas d'ailleurs, il n'y a pas Wazalendo. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui? Rien. Le secrétaire général de l'IDPS, alors, il y a Joseph Kabila Moutarosala Makambouana. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui? Rien. Alors après ça, Olingi Keba Zouabiso au sérieux. Toba Nokufunda, Toba Nakakize, un tel, c'est le Rwanda. Alors que le secrétaire général du parti présidentiel a identifié bien que Joseph Kabila, ancien président, Moutarosala a des ordres de Wananyoso. On n'est pas sérieux. C'est ça le problème. On n'est pas sérieux, on ne nous prend pas au sérieux. Yaoundé Makambo, ils ont continué. La RDC a besoin d'un leadership fort, d'un leadership éclairé, d'un leadership visionnaire. D'un leadership intègre. Nengo Lobby, effectivement, Martin Fayulu, c'est l'homme. Nengo rien à citer, mais il n'y a pas une occasion. Je veux dire que Martin Fayulu, c'est celui qui a ce leadership-là, qui peut emmener le peuple quelque part, qui peut emmener le pays quelque part, qui peut aller dire aux gens, qui peut aller dire à la France que ce que vous faites le mal. Ce n'est pas que Lelo, Boswanina, Emmanuel Macron, Lobby, Okosala, Salamalek, on a, pour aller à Rwanda, à Longlabatoup. Non. C'est ça le problème. Bolobi a que Ndeko Félix Tshisekedi azali complice dans Makambozo. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus? Tous ils l'ont dit, non? Bah tiens, le Bakiango. Tomba où est l'Assemblée nationale? Oyo, Ndeko Félix Tshisekedi a oué Psabiso Tosanini, Tokolanda. Comment est-ce qu'on peut occuper une fonction? Ce qui n'a pas de l'eau, parce que qui? N'a pas de l'eau, n'a pas de Félix Tshisekedi. Qui ne me représente pas. Est-ce que Bokobo est la maille? Faut pas Bokobo est la maille? Parce que Félix Tshisekedi représente sa majorité, représente son union sacrée. Encore représenter Kitenge, encore représenter Bahati, encore représenter Mbosso, c'est lui leur chef. Yangaïté? Parce que moi je suis de la résistance. On ne peut pas être à des fonctions pareilles et commencer à régler Babilo Kwandengona. Non! Il lui fallut qu'il ne soit pas de Konanga et Henri, autorité de référence de l'union sacrée. Il ne fallait pas ça. Brouhim Sangaï, la réelle politique va le pousser à l'être. Mais même sur le plan de la forme, Prokocha Moutoumoussousou, Babi, qui est l'autorité de référence, c'est une autre personne. Pendant que ça, t'as semblant, pendant que vous masquez. C'est quoi, dites-moi. Donc aujourd'hui, séparation du pouvoir oblige, mais c'est Félix Tshisekedi qui va décider qui c'est qui est président du Sénat. C'est Félix Tshisekedi qui va décider qui est président de l'Assemblée nationale. C'est Félix Tshisekedi qui va décider qui est responsable de toutes les institutions. C'est ça la dictature. C'est ça la dictature. Nous sommes dans un régime dictatorial. Aujourd'hui, nous sommes à la République dictatoriale du Congo. Et c'est ça le vrai problème. Mais maman, tout ça n'est pas fait au hasard. Tout ça est calculé, tout ça est préparé. Tout ça est calculé et c'est préparé. C'est parce qu'on vise le changement de la Constitution. C'est ça l'objectif. Balança qui donc balance d'essai, on va réviser certains articles. Il faut président, nous makaba gouverneur, asala kamaba boe, oh asala élu, bamoni kewana, ils ont simbaté, ils ont zoabienté. Vite! Après l'élection, les sujets qui intéressent Ndeko Félix Tshisekedi, c'est changer la constitution. Il y a un moment où ça va jouer au Nyonso. Il y a un moment où déséquilibre, équilibre instable. Il y a un déséquilibre. Il y a un équilibre, mais il y a un déséquilibre. Parce qu'ils savent que faut pas qu'ils n'ont malin malin ben pour l'obitant ou Félix Tshisekedi a copié ma boulebi bon na kocha batumo koba réfléchir pour un changement. Est-ce que d'abord c'est le rôle, il y a une commission et réfléchir sur le changement de la constitution? Nous avons des députés, un parlement, si ils servent encore à quelque chose, c'est plus leur travail de réfléchir sur les lois, mais il faut bâtir un comité moropembeni yewanande a Manuela Kanisa pour que quand il va dominer à l'Assemblée nationale comme des béni oui basala nini bandima. Félix Tshisekedi, il est responsable. Bande konabiso ba commissaire président de tout est responsable de rien. C'est Félix Tshisekedi qui est responsable de toute cette situation que nous sommes en train de vivre. Situation à la population, la misère est alliée. Tous les affres, l'insécurité, la famine, 30 millions de Congolais. Félix Tshisekedi a connu la 2009. Nous avions 27 millions de Congolais en insécurité alimentaire. Nous avons 30 millions de Congolais en insécurité alimentaire des lots. Mais tout ce qui intéresse Félix Tshisekedi, c'est changer la constitution pour qu'il reste un éternel ad vitam président de la République. Matondi Ndeko, Ndeko Yves, alors Ndeko Joël, bureau définitif et assemblée nationale, que ma candidature et non sacrée des a retenu. Msousou, Obazaki porté par le président Mte Baza rejeté. Est-ce que ça, dictature masquée, t'es vous? Bon, je ne sais pas, ça dépend. Vos définitions.
Puisque 1000 mots, un mot peut avoir 1000 définitions. D'ailleurs, l'auteur va définir ça. Selon Montesquieu, selon Jean-Jacques Rousseau, selon René Descartes, selon Socrate. C'est comme ça que ça se définit en science. Peut-être que c'est comme les définitions qu'Yves vous donne là-dessus, de la dictature d'après lui. Donc la dictature, d'après Yves, c'est organiser une primaire pour désigner candidat président de l'Assemblée nationale. Comme si ça a déjà eu lieu dans ce pays. C'est ça, ce qu'il appelle dictature. Un vote. C'est la définition de Yves, peut-être la vôtre ou de ceux qui regardent. Dictature yangoana. Bolingi Kosa vous dire d'accord que vous, ceux qui seront électeurs vous départagent. N'a qu'au départager, on sait que Vital Kamerhe est parti impopulaire, vit tout ce que les gens le diabolisaient. Et l'impopulaire a été désigné par plus. On arrête là. Ça s'appelle dictature. Trouvons d'autres mots. Vous pouvez ne pas être d'accord avec Félix Tshisekedi, vous pouvez ne pas l'aimer, mais ne lui colle pas des étiquettes alors que ma preuve de son sang soit Zakouti que la bataille. Si lui était dictateur, ça veut dire tous ces débats-là, ma candidature est ngaki zalate, de Kouchimbaranga l'a dit tout à l'heure. Il aurait juste dit, mais c'est venez ici. Eh, lui, président, lui, premier vice-président, lui, vice-président, tout ça, primaire ngaki zalate. Dans la dictature, on fait une primaire. La primaire est Ango Yokara, nous sommes au Tali Kalikil, Vital Kamerhe en 1983 voix. Mbosso a 814, Bati a 69, 7 bulletins blancs. Sosangisi, 69, il y a Bati. 114, il y a Mbosso plus 7 bulletins blancs. Ça donne 190 voix. Et dans le primaire, vous trouvez que le nombre de députés qui n'ont pas soutenu Kamerhe, Bazalaki est belé, mais Bazalaki est départagé entre les candidats. Et le moins, on fait des quand même, comme Bangouba se consolida, Vital Kamerhe est passé. Vous appelez ça dictature? Je suis désolé. Vous appelez dictature alors que les partis politiques se sont prononcés, même au sein de l'Union Sacrée, pour déposer ma candidature Nabango comme indépendant, se venir dans le vague. Vous appelez dictature, Bahati, ils se sont entendus dans leur présidium, a proposé Moranae, les autres se sont réveillés, et Bahati a pu retirer la candidature. Il a proposé ensuite une femme. Une femme, Moana Batouba, Bou, il a proposé, l'autre honorable, il a dit Lolo. Un autre membre, il y a FDC qui est élu de l'espace Katanga. Et dans le même poste, on a la question, bah, Mosaïque qui a eu des pèses, en propose un autre candidature de Dani. Donc, à ce stade, si ce que vous appelez dictature, donc, je comprends au moins qu'il y a un problème dans la reformulation, dans la définition, dans le concept, en compréhension congolais. Je ne vois pas la dictature là-dessus. D'ailleurs, moi, je lui reproche cette forme. Je n'ai pas voulu qu'il y ait ni primaire, ni quoi. Ça nous prend, ça nous fait gagner du temps. Il fallait tout de suite convoquer tout le monde, désigner un maître. La dictature que Yves voulait, c'est ce que moi, je voulais qu'il le fasse. C'est ce qu'il n'a pas pu faire. Couper court. Tel Kenda, mon cher. Et si, hey, papa, boutique à la bureau, Bokende. Bokena idée, moko. Il n'a pas fait ce mot d'ordre. Et tout le monde le constate que ce bouillabaisse là, c'est puisqu'il n'a pas donné ça. Il n'a pas imposé la décision. Même Bati a dit, nous attendons le chef l'a dit. Il n'a pas dit. Ndeko vous dit qu'il ne dit mot consent. Consent, ça veut dire qu'il voulait que ces gens-là agissent en toute liberté, contrairement avec les habitudes de 18, où on pouvait juste vous rassembler à la veille de la clôture de la candidature, on vous dit non, oh, Shadari, dauphin. Ba Bourderoy a payé 100 000 $, était payé déjà au nom de ma tante. Et en finalité, en dernière minute, c'est Shadar. Donc on vous envoie sans débat, sans désignation. Ce n'est pas ça, tu sais qu'il dit. Et il en a dit tout le temps, à chaque occasion, même tant que Bandeko. Bazo Sengaye na poto, changer constitution, il répond la première phrase. Je ne veux pas que vous puissiez me transformer en dictateur. Ce n'est pas le combat de Félix Tshisekedi de devenir dictateur. Il a tout le moyen de le faire, mais ce n'est pas ce qu'il peut le faire. Et ce n'est pas ce qu'il vise. Nassi dit ça, Naspewana, puisque vous dites, j'attends beaucoup des réflexions de mettre une commission, le reste, je dis, la constitution, regarde le droit, n'a que des formes pour qu'il cause à la toucher. Projet de loi constitutionnelle qui ne peut que venir du gouvernement. Puisque pour qu'une constitution soit touchée, il faut d'abord qu'il y ait un projet de loi constitutionnelle qui tend et qui propose dans les textes et qui souligne les différents articles qu'on subit, amendements. Sans qu'il y ait changement,
il faut qu'il y ait projet de loi constitutionnelle addictif, n'ajout, il y a loi référendaire, puisque là c'est la consultation et qu'aucun des directs et pas à peuple. Quand c'est certains articles, ces projets de loi maintenant ira au Parlement pour que ça fasse l'objet d'un débat. Oui, en scientifique, une commission peut être mise. Ça s'est fait à travers le monde et les nations, des scientifiques de toutes les disciplines qui réfléchissent. Cela n'est pas une loi. Obango Bako proposé ne reste qu'une idée. Même les Nations Unies à les experts des Nations Unies, au regard du bureau, secrétariat général des Nations Unies, le Conseil de sécurité, et le Conseil de sécurité émet aussi des experts dans plusieurs domaines. Nous en avons déjà même les rapports avec experts sur la question de l'Est. C'est le premier, il y a qu'à mettre à vie qu'il y a la présence de l'armée rwandaise. Et ces experts, ce sont des indépendants, des personnes qui réfléchissent, qui enquêtent et qui proposent des idées au Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, organe et à décision, quoi apprécier. Ça, c'est fait. Choisir des scientifiques, des anthropologues, des politologues, des juristes, des économistes, puisque la Constitution va élaborer la discipline, il y a un juriste. Toutes les disciplines, même les communicologues, y interviennent. Babandi, qu'on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit. On peut réfléchir, par exemple. On vous dit, non, ben, non, touchez ça, touchez ça, touchez ça. Ben, l'article laisse en fait, non, non, tata. Magambetali, ben, dirait, token de kakabongo. C'est lorsque cette réflexion est condensée en termes des idées et comme jusqu'au débattable, et qu'il y a dans la place publique, on peut maintenant réfléchir sur la quintessence si on veut aller vers le, toucher le mandat ou changer la condition. Bon, les idées. Il dit, on va mettre des gens qui vont réfléchir. Et les gens disent, puisque c'est Félix Tshisekedi, puisque tu es Moulouba, tu ne peux pas réfléchir. Tu ne peux pas mettre en place un groupe de gens de réfléchir. Matondi. Tu n'as pas le droit de réfléchir. Matondi, Ndeko, Ndeko, c'est Joël. Ça, le Congo. Et c'est comme ça que donc, ça fonctionne. Donc, comme il y a une émission, Ndeko Henri, est-ce que deuxième mandat de Tshisekedi est un mandat de positionnement? Deuxième mandat de positionnement pour la Batumisus. Au regard de ce qui se passe dans l'Union Sacrée Lélo. Oui, pour la Batunion Sowana, ils ont un mandat de positionnement. Je rappelle ici que la Batunion Sowana, l'unique allié, il y a Tshisekedi, c'est Vital Kamerhe. Parce que Yann Limayi, qui a l'allié, n'a pas eu l'élection. Et si on a tout le monde, il y a des bandes, il y a des papas, il y a des gens qui ont gagné, il y a des gens qui ont gagné. Le reste, il y a des temps où il y a ça comme chef de l'État. Ouais. Donc, il y a tout le monde, il y a un positionnement pour le monde. En tant que personne, Félix Tshisekedi est un mandat né à Souka. Donc, au moment où on a tout le monde, en 2026, batwana bakobimisa sikoyo bilongi na bango penza penza ko mona ka babandi ko benda na po ba se préparer pour nani. Donc deuxième mandat pour na batunyo soana ils ont mandat à positionnement, mais pour na yemoko et cause à positionnement c'est parce qu'il faut atikaper le meilleur de lui-même. Très bien. Très bien, Ndeko. Ndeko Henri, maintenant, sur le cadre, Ndeko Yves, est-ce que à travers tout ça, est-ce que tu as assisté à un recul démocratique? Ndeko Félix, c'est que dans le but, militant, il y a des personnes qui ont envoyé un poteau. Ne faites pas de moi un dictateur pour les cambodgiens de la Constitution. À quelle interview, quelques heures après, à l'objet, je vais mettre en place une commission. Quand je vous dis qu'il faut être sérieux, qu'il faut qu'on soit sérieux, on n'est pas sérieux. Non, mais comme tout ça. Ndeko Félix, c'est que dans le but, il y a des militants, il y a des personnes qui ont envoyé un poteau. Mais il oublie que Ndeko Félix Tshisekedi doit bien retirer la commission. Mais qui t'a rappelé Bissot que c'est le gouvernement qui propose des projets de loi. Ce n'est pas la présidence de la République, c'est le gouvernement. Même pour la forme, attends, vous avez une idée. Si quand on attend le gouvernement, ça est porté. Il y a Kocha en place, il y a Félix Tshisekedi de Kocha en place, commission pour réfléchir sur le. C'est ça la dictature, Tozoloba. Effectivement. Parce qu'on viole toutes les lois. On marche sur toutes les lois, mais on ne se rend pas compte. Tobo Itéba réfléchir. Même s'ils sont majoritaires dans toutes les assemblées du pays. Tobo Itéba réfléchir. Mais la question de Konangai Kitenge sur laquelle on doit être d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui l'opportunité. Ils ont le Makamoro changer la constitution. Ou l'opportunité, c'est de finir la guerre. C'est de donner de l'eau, l'électricité. C'est d'améliorer les conditions sociales. Donner du travail aux jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui l'opportunité, ça m'a camou vraiment, il y a ma constitution? Pendant tout ça, campagne, est-ce qu'il y a le mec qui m'a comme ma constitution? Non. L'opportunité n'y est pas. Il faut qu'on soit d'accord. Ma ne perdons pas notre temps, Ndeko Nangai. Unissons-nous pour nous résoudre la guerre
où ils ont tourné sur la partie est. Pendant qu'on résout des Makambu, il y a des problèmes qui ont repris de l'activité, de l'activisme. Voilà nos priorités aujourd'hui. Et les questions de constitution, nous l'avons dit et nous avons répété, comme nous l'avions dit à l'époque avec Félix Tshisekedi, touche pas à la constitution. Ce qui vous demande ici, la caca, l'élo, ma constitution. Soit vous, vous allez nous trouver en face de vous avec le peuple. Très bien, très bien. Merci. Nabanderonios, Oyo Bazaki na plateau. Merci. Nana lobi boye. L'opportunité ou l'urgence ou la nécessité, la réflexion n'a pas de timing. À tout moment, quand l'homme arrête de réfléchir, c'est que c'est un cadavre. Très bien. On peut réfléchir sur la constitution, qu'on soit dans la guerre, qu'on soit dans la paix ou pas, on peut réfléchir sur tout aspect de faire évoluer l'État ou de le maintenir dans le statu quo ou d'innover. Très la bien. Réflexion, elle est permanente dans la vie et dans le fonctionnement d'un État. Très bien, Ndeko Joël. Et merci, Nabil Nous, c'est Boranda Kibiso. Pour la Congo, il y a Lélo, pour la mercredi, la semaine prochaine, pour la nouvelle thématique. Au revoir.